Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier qui sort du jacuzzi, l'alien qui nous a rejoint à la villa. Bonsoir alien. Bonsoir. Bad Lunch, Mexicano, hein, juste là. Beza. Et enfin le DRZ. Et en gros les gars, c'est simple, il vous devoir survivre dans ce jacuzzi. Il est 1h du matin, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, on est équipé, regardez les lampes et tout. On est équipé, faites juste attention les gars aux lampes. Du coup je remercie les gars Filmora d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, simplement Filmora c'est quoi? C'est un logiciel de montage. Du coup je vous explique tout de suite ce que c'est Filmora. On se retrouve sur mon PC, du coup Filmora 10, qu'est-ce que c'est quoi? C'est un logiciel où tu peux faire des vidéos comme moi, tu peux enregistrer ton écran et tu peux également faire des montages. C'est vraiment multifonction. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Les gars, on se retrouve sur mon PC. C'est parti les gars. Alors franchement les gars, Filmora, c'est vraiment pour les débutants et c'est vraiment facile à utiliser. Donc je vous montre ça tout de suite. Tu prends une vidéo, donc n'importe laquelle, celle que tu viens d'enregistrer par exemple. Voilà, donc ma vidéo, elle est juste là. Je vous montre avec la souris et tu peux vraiment faire ce que tu veux. Si tu as envie de couper, bah hop, tu coupes. T'as envie d'ajouter des effets, t'ajoutes des effets. Vous avez vraiment plein de trucs. Alors des effets, vous en avez vraiment des pas mal. Vous avez l'effet panorama par exemple, l'effet zoom que je vous montre actuellement. Vous pouvez zoomer sur ce que vous voulez. Vous avez vraiment pas mal de fonctionnalités. Vous avez le motion tracking. Le motion tracking, bah ça suit en fait ce que vous voulez. Je vous montre un petit exemple du motion tracking. Donc là par exemple, j'ai pris l'exemple d'un surfeur et je vais tout simplement appliquer un suivi sur lui. Donc vous faites commencer le suivi en appliquant le petit carré bien redimensionné sur lui. Et comme vous pouvez le voir après, bah, ça suit tout simplement le petit surfeur. Et ça c'est magnifique, c'est le motion tracking. Alors vous pouvez aussi ajouter un texte qui suit également le surfeur en fait. Et il suivra exactement les mêmes mouvements que le surfeur. Et ça c'est magnifique. Alors ce qui est magnifique, c'est qu'en plus de faire des montages, vous pouvez également filmer votre écran. Et pour filmer votre écran, vous avez pas mal d'options. Alors pour faire ça, parce que oui, tu peux filmer ton écran, je viens de te dire, c'est multifonction. Tu vas dans fichier, tu vas dans enregistrer un média, tu peux enregistrer ta webcam, tu peux enregistrer l'écran de ton PC et tu peux également enregistrer uniquement ta voix si tu as envie d'enregistrer uniquement ta voix. Voilà, par exemple, moi je vais mettre écran de PC. Donc voilà, par exemple, comme je t'ai dit, là je te montre l'exemple où tu peux enregistrer ton écran de PC. Donc là j'enregistre tout simplement le Discord par exemple, juste appuyer ici et c'est fait, ça enregistre tout simplement, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc les gars, je sais pas ce que vous attendez, n'hésitez pas à télécharger Filmora 10 en masse, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Donc foncez les gars, foncez, foncez. En plus de ça, ils ont une chaîne YouTube où tu vas vraiment plein de tutoriels sur Filmora pour débuter, etc. Donc n'hésitez pas, et moi je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Donc les gars, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. 1000 euros à gagner, la cagnotte peut descendre, hein. C'est le même principe que sur la chaîne de la salle, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai clairement pris l'idée de la salle, du coup, let's go. Fais gaffe, il y a les lampes derrière. Eh, si on meurt, tu mets quand même la vidéo. Ouais, tu mets quand même la vidéo. Comme ça, je suis sûr de faire le million, les gars. Bon, du coup, moi, je vais aller préparer les jeux. Tu te donnes ma partie avant, mais... Je vais aller préparer les jeux et je vous attends. Bon, bah, vous pouvez discuter, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les jeux arrivent dans quelques minutes. Ok, les gars, je suis dans la cuisine. C'est moi qui mène le jeu pour une fois. C'est pas la salle, ça fait plaisir. C'est assez simple, je vais leur demander tout simplement de se mettre 3 glaçons dans le caleçon. Celui qui tirera le mot, eh ben, il aura tout simplement 3 glaçons très très froids dans le caleçon. Donc c'est parti. A few moments later. C'est parti pour le premier mot. Ok les gars, qui veut le mot? Alors c'est pas un mot parce que je sais pas tout simplement. Ouais, moi. Qui veut l'apporteur de... Vas-y, je la prends. T'es sûr? Ouais. Ok, donc Bad Lunch qui demande. Alors le grand génie Unwin te dit, tu dois te mettre ces 4 glaçons dans le caleçon et les faire fondre. Anilène. Ça c'est clair. Oh là là, il va voir. Ah, c'est un peu là, mais c'est clair. Jack, il lui restait non, pas grand chose. Allez, voilà. Mexicain précise. Voilà, il tient. Ça tient plutôt bien. Les règles. Bon les gars, ça fait quand même quelques temps qu'ils sont dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur apporter une petite canette. On va tout simplement vendre aux enchères. Et celui qui l'achètera gagnera et baissera. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième défi? Donc ça fait quand même 30 minutes qu'ils sont ici, 30 minutes écoulées actuellement. Donc le deuxième défi, je vends cette canette. Les enchères commencent à 50 euros. Combien tu la vends? Je la vends 50. Les enchères commencent là, à 50. Là je commence, j'ai trop chaud, mais pas à point de payer 50 euros. Ah si, si, si. On vient du désert après. Ça fait 30 minutes que vous êtes ici. 50 balles donne. L'eau est à combien de degrés? On va pas montrer que c'est fake. Regardez l'eau, elle est à combien? Donc regardez l'eau, elle est à 40 degrés. Bon, 50 euros, qui veut acheter? Ça a du volume, hein. 3D. Combien? 60 euros pour lui. 70. 70. 60 ici. 80. 80.
pas coupé de route. 80. 90. Putain. 100. Ah gros, si tu gagnes pas, t'es obligé de laisser. Hein. 100. Hein? Si tu gagnes pas, t'es obligé de donner 100. Alors, dis-moi. Ah, t'inquiète, 110. Attends, je la touche. Moi, je suis bien, les gars. Elle est froide en plus. 120. Mais t'inquiète. 120. 130. Ouais, les gars, arrêtez. 170. 200. 220. Ah ouais, pour une canette, les gars, vous êtes chauds. Après, s'il gagne, il est rentable. Sachant qu'il ne reste plus beaucoup des canettes dans le frigo, je vous le dis. 360 euros la canette la plus chère du monde. C'est la canette de coca la plus chère du monde. Et bah, à ton plaisir, on revient dans quelques instants pour le troisième défi. Pour l'instant, personne n'est éliminé, mais attention parce que le prochain jeu va être. Prochain jeu, les gars, je vais demander à Romy. Romy qui est complètement fatiguée, elle est reposée. On va aller toquer à sa chambre. Romy, si elle dort pas, Romy. Tu dors pas ? C'est fermé, non ? Non, mais c'est bon. Ok, j'ai besoin de toi pour une... Donc, je t'explique. Là, actuellement, je suis dans le jacuzzi. Bah, si, c'est la vidéo que je t'ai dit de m'aider à faire tout à l'heure. Mais moi, elle est fatiguée, donc je vais la laisser tranquille. Le jeu, c'est toi qui choisis le prochain jeu. Donc, faut que tu donnes une idée. Romy, est-ce que t'as une idée ? Yes. Alors, celui qui tient le moins long en dessous de l'eau, il a perdu. Le moins longtemps sous l'eau ? Ouais. Ah oui, parce qu'on l'avait fait sur la chaîne de nos copains, du coup, c'est vrai. Et il y en a, ils ont quand même pas mal résisté, oh, vous allez voir sur sa chaîne. Ouais. Du coup, bah c'est parti. Bon, je te laisse te reposer. Moi, je vais aller annoncer ça aux autres. Ouais. Attention, le prochain jeu a été choisi par Romy. J'étais dans sa chambre, elle a choisi le prochain jeu, c'est elle qui a choisi. Ok, le jeu, le génie Unwin dit, vous devez tous mettre la tête sous l'eau, le premier qui sort de l'eau est éliminé. Ah ouais, gagné, moi, le premier. Toi, t'as fait 3 minutes. Non, c'est le premier qui sort, il perd. Le premier qui sort, il perd. Il sort de jacuzzi. Ah. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Et il n'y a pas de triche, c'est tête tous au milieu. Il n'y a pas pour prendre les bulles du jacuzzi. Tu dis quand le gars sort. Ok. 3, 2, 1, go. Qui va résister le plus longtemps, les gars? Qui va résister le plus longtemps? Je rappelle qu'il y a 1000 euros à gagner. Mais bon, la canette elle a baissé, ils sont à 640. Mais ils tiennent. La canette est à 640 euros. Alien. Alien, stop, tu peux sortir. Oui. Alien, éliminé. Alien, est-ce que t'as un mot à dire? T'es le premier éliminé. Moi, je suis en opération, donc c'est normal, quoi. Donc là, on est avec l'alien. Alien, est-ce que t'as un mot à donner aux autres? Celui qui choisit le mot, s'il ne saute pas dans la piscine, il est éliminé. Ok, si celui qui prend le mot, en gros, il va dans la piscine. Il doit sauter dans la piscine, c'est lui l'éliminer. Ok, c'est parti. Le prochain jeu, c'est à vous de choisir. C'est celui qui tire le mot. Celui qui a envie de tirer le mot, il tire le mot. Sinon, bah voilà, c'est Pierre Feuille Ciseaux. Qui veut tirer le mot? Ouais, je tire. Non, je tire le mot. Vous deux, Pierre Feuille Ciseaux. Pierre Feuille Ciseaux. Ouais, c'est toi. C'est qui? C'est. Ok, le génie dit soit tu sautes dans la piscine tout de suite, soit t'es éliminé. Ah mais il sort du jacuzzi là. Ah oui, ça craint, gros, ça craint. Ouais, tu sautes ça, et tu peux rentrer. Ah, Mexicain, ça fait 4 heures, t'es là, 3 heures, je sais pas combien de temps, tu sautes, ça te fait bien. Et après, je peux revenir. Ouais. Cache. Ouais. Ne me dis pas que tu vas aller t'éliminer. Ne me dis pas que tu vas te faire éliminer. Non, c'est un rageux, frère. Pourquoi il veut se faire éliminer? Ah, t'as pas le droit de transition, tu sautes direct. Ah, dis-lui qu'il saute direct, il a pas de transition. Ah ouais, c'est un vaillant lui, les gars. Ouais. C'est bon, tu peux rentrer. Sous l'eau, la tête est bonne. Elle est bonne? Voilà, elle est bonne. La tête sous l'eau. C'est bon, tu peux rentrer. Toujours, elle est bonne. Bon, bah, défi validé. Hein? Pour l'instant, ouais. Ils sont toujours 4 en vie. Ok, les gars, j'ai actuellement le prochain jeu. Le prochain jeu, ça va être simple. Les deux, en gros, je vais leur dire celui qui veut le mot. Les deux premiers qui prendront le mot, ce seront les jurys. Ensuite, je mettrai un post sur Instagram et je vais demander à vous, du coup, sur Instagram, qui vous voulez éliminer. Mais je ne saurais pas c'est pourquoi, parce que sinon, ça va spoiler la vidéo. Donc, du coup, c'est parti. Let's go!
Alors, je vous donne le timing, les gars, ça fait actuellement 3h45 que vous êtes ici. 3h45. Alors, le génie demande qui veut le mot. Moi, je veux le mot. Vous deux. Vas-y, ok. Pierre. Alors là. Ah, non, stop. Attendez, laissez-moi finir. Bien joué à vous. Vous êtes les deux jurys. En gros, tout simplement, vous êtes les deux qui vont être expulsés. Demandez aux abonnés de choisir entre vous deux qui va sortir du jacuzzi. Celui qui aura moins de votes, tout simplement, sortira du jacuzzi. Ça sera entre Beza et Mexica. Let's go. Bon les gars, en attendant les votes sur Instagram du jeu juste avant, on va faire le deuxième jeu. C'est soit celui qui a le mot mange une cuillère, sinon la canotte baisse de 100€. Du coup, c'est parti. Let's go. Hello. J'arrive avec le prochain mot en attendant les votes sur Instagram. Je vais pas vous laisser comme ça. Donc, le prochain mot, qui le veut? Moi. Ok, alors. Bingo. Il doit choisir à qui il doit faire bouffer, c'est ça? Non. Non, tu dois manger. Allez. En gros, allez. C'est soit tu manges une cuillère de pâté, soit la canotte baisse de 100€. Bah, elle baisse. Elle baisse cash, même. Elle baisse 2 fois, même. Enlève 200, si tu veux. Elle a perdu 300€. Ça fait 500€. 540€. La canotte est à 540€, messieurs. À tout à l'heure. Ok, prochain défi. Donc là, cette fois-ci, je vais pas décider de faire baisser la cagnotte parce qu'elle est comme déjà assez pris cher. Elle est qu'à 540 la cagnotte. En attendant les votes sur Instagram, on va leur faire un petit défi assez simple. Celui qui prendra le mot, en gros, il devra choisir deux personnes qui devront manger une petite gorgée, en gros, de sauce piquante. Let's go, c'est parti. Je suis là avec le prochain défi. Ah, le vote. Bah, on attend, les gars, faut attendre que les gens votent. Ça fait à peu près 30 minutes qu'ils ont voté. Ça fait 5 heures. Et je peux vous dire que c'est serré. Franchement, c'est serré. Ouais, donc, je rappelle, il y a un post Instagram, hein, une petite story Instagram entre Beza et Mexicain qui va être éliminé. Donc, les gars, qui veut le mot? Comment ça va? Je veux le mot, moi. Tu veux le mot? Ouais. Ramène, moi aussi, je veux le mot. Et alors, tu refais ciseaux? Non, Mexicain, il va dire avant. Alors, tu dois choisir deux personnes de ton choix. Et vont devoir manger une petite gorgée, quoi. Une gouttelette. Moi, je vais en mettre comme ça. Non, une gouttelette. Et s'ils refusent, et si vous refusez, les gars, tout simplement, un de vous deux va être éliminé, les gars. Ouais. Non, mais c'est une cuillère, frère. Arrête de voir, c'est rien, gros. C'est pas de la rissa, hein. C'est de la saucisse. Ouais, juste une petite gorgée. Il est pas ouvert, il est pas ouvert. Moi non, mais c'est un seul, hein. Il a dit c'est un seul. Non, c'est pas un seul. Un seul. Mais non, abuse pas, c'est juste une cuillère. C'est comme une cuillère, quoi. Deux personnes. Un seul. Ouais, tu as dit deux personnes. Ah, voilà. Et ils doivent accepter. Beaucoup, hein. Ah, c'est à moi de le mettre, tu vas m'en mettre une tonne. Non, hein. Non, abuse pas. C'est bon, c'est bon. Ah. Alors? Ça va? C'est bon. C'est bon? Je vais vous apporter de l'eau. Bon, bouteille. Je vais leur ramener une bouteille d'eau, mais la bouteille d'eau, vous doutez bien qu'elle va être payante. Hein. Je rappelle que la cagnotte est à 540€. Bon, les gars, je sais qu'il y en a qui ont soif. Hein. La bouteille d'eau est à vendre à 40€. Ah, tiens, donne 40. 40, je mets. 80. Non, mais c'est pas des enchères là. 40€. La cagnotte est à 500€, les gars. Vous avez divisé par deux. Hein. Et tout ça, c'est à cause de ta touche principalement. Mais non, même pas, Elle peut augmenter. Elle peut augmenter. Ok, les gars, dernier défi. On va essayer de faire augmenter la canette parce que les coms, elle est à 500€. Je trouve que ça se fait pas. On va quand même l'augmenter. Merci encore à Filmora. Du coup, tout simplement, on va prendre ce verre. Il y a juste du lait dedans. C'est du lait simple. Sauf que eux, psychologiquement, je vais leur dire, qui veut boire le verre magique? Ils vont croire qu'il y a des trucs dégueulasses dedans alors que c'est juste du lait. Et si ils boivent le verre, eh bien, tout simplement, la canette augmente. Et les gars, qui veut le mot? Moi, je le prends. Il a dit avant. Il a dit avant, Mathieu. Tu dois boire ce verre. Hein? C'est ma gueule. Bah, ça peut être. Si tu bois ce verre, la canette elle augmente de 200€. Ah ouais, mon tour c'est quoi? Bah, je vais pas te dire c'est quoi dedans. Bah, elle augmente de 200€. Voilà, elle t'a levé la main, frère. Je fais pas 200€. Bah, non, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tu m'avais joué à Facebook, qu'il avait dit en premier. Non, je fais pas 200€. C'était lui, je crois, qui m'a renvoyé. Mais non, c'est. Tu bois. Tu veux pas boire? T'es sûr? Bois, c'est un bon truc. Vas-y, bois, c'est un bon. Non, il a pas le droit de regarder ce que c'est. Vas-y, bois-le. Non, mais il a dit, il a levé la main. Cherche pas, c'est pas de regarder en screen. Vous êtes sûr? Moi, je peux le prendre? Ah, bah oui. Bah, si, s'il le boit direct. Non, il a dit non. Bah, le t'as dit non, c'est toi qui as dit non. Mais c'est un coca tout frais, t'as un Red Bull. Bon, je vous dis juste, c'était quoi? C'était juste un verre de lait. Voilà. C'était juste psychologiquement, je sais que vous allez refuser. Non, c'était juste du lait.
Il y a un éliminé qui va sortir, malheureusement, les abonnés ont choisi. Montre-moi à moi en avance. Instagram. J'ai montré aux deux jurys, quand même, ce qu'ils veulent voir. On élimine qui. Alors, je tiens à dire que quelqu'un a 61% et quelqu'un a 39%. 39. Après une heure de vote, à peu près, malheureusement, Beza, 61% pour toi, ils veulent que tu sortes de la voiture. Beza, est-ce que tu as un mot à dire le deuxième éliminé J'avais de ce jeu. J'avais hyper soif. Mais bon, j'aurais quand même voulu rester jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai pas bu. J'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout, mais bon. Mexicain, bravo. Il faut choisir. Hein. Alors, je rappelle quand même que Mexicain a gagné le dernier jeu de la salle. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le dernier jeu de la salle, le dernier qui sort. Regarde, pour montrer que ça fait longtemps qu'on est dans l'eau, regarde mes mains. T'as quand même résisté 4 fois, à peu près. Ouais, mais je voulais vraiment rester, mais en tout cas, je vous en veux. Je vous en veux parce que vous m'avez éliminé, mais c'est pas grave, c'est le jeu, j'assume. Allez. Ok. Du coup les gars, la demi-finale, ça fait 5 heures qu'ils sont ici. Le prochain jeu va être assez décisif. Celui qui prendra le mot sera immunisé, en gros, celui qui aura les... Parce qu'on peut avoir les colonnaises de la main. C'est clair. Et les deux autres devront aller dans la piscine. Le premier qui récupère la tête de 50 centimes sous l'eau est le gagnant et reste en finale. Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Pas mal. Aline qui est le premier à éliminer. T'as un truc à dire ? T'as un mot à dire ? J'aurais gagné, mais là j'étais en mode malade. Même moi franchement, je tiens à le dire. Franchement, j'aurais tenu plus longtemps si vous m'avez pas éliminé et je vous en veux encore une fois. Mais je vous quitte. Ok, qui veut le mot ? Moi. Allez, je suis en premier, parlez même pas avec la deuxième. Alors, le génie Wendy, tu es immunisé, bien joué. Bravo. Ça fait 5 heures, on est là. 5 heures que vous êtes là, on l'a dit tout à l'heure, je crois, on l'a dit avant. Ouais, on l'a dit, ouais. Vous êtes ici. Alors, heureusement, les gars, il va falloir que j'élimine, on va pas non plus rester 30 ans ici. Regardez, il y a des gens. Mais il y en a un qui résiste. Alors, les gars, c'est assez simple. En gros, le jeu, il dit tout simplement Battle Lunch, je vais te le dire dans l'oreille et tu dois leur annoncer. Et ils vont devoir se retourner. Il y a un truc qui va être dans l'eau. Si vous prenez ça, vous êtes éliminé, ça vous qualifie. Ça vous prend le bon choix, mais là, je suis dans l'eau. Il y a qui le prend, il le prend, soit éliminé, soit les qualifiés. Et l'autre, bah, tourner, soit pas qualifié, soit éliminé. Je vais jeter un truc dans l'eau, vous allez vous retourner, je vais pas vous montrer où est-ce que je l'ai fait, sinon après vous allez. Il faut le. Donc regardez vers là-bas, s'il vous plaît. Ah, dans la piscine. De toute façon, il y a la caméra qui filme. Hein. S'il y en a ah qui ouais, triche. Dans la piscine. Il faut que ça soit loin, loin, non. Il est gentil, hein, vous êtes. Bien, voilà, il faut que j'en prends les gens. Franchement, elle est bonne, l'eau. Fais genre, tu leur prends ça. Ok, bah tu leur donnes, c'est toi qui leur dis, vas-y. Ok. Tu leur donnes le go. 3. L'objet caché. 3, 2, 1, go. Mexicain, je sais que t'es arraché, je sais que t'es. Je sais pas, mais il faut aller dedans, sinon vous le trouverez jamais après. Très vite, il va gagner. Mexicain est très très fort, voilà. Il est très très fort, je le savais. Et tape là. Voilà. Ce sera ton cadeau si jamais t'es éliminé. Cadeau. DRZ éliminé. T'as un mot à dire, très bien. C'est trop chaud là, je suis mort, je dois aller dormir. Quand même. Ouais, ça va. Ouais, non. Ouais, si, ouais. T'as dormi même des crêpes, elle a dit. Il reste plus que pas de flun et. Ah, et bah il reste les deux. On va préparer des sales trucs, vous inquiétez. Les deux parrains, tu peux le dire. C'est moi qui le prépare. Non, mais j'allais dire les deux c'est plus moi, forts. Je les gars, okay. Je prépare. Je vous le dis, le prochain jeu. Tu les prépares quelque chose. Ah, je m'en fous, vous le mangez. Suis. Bon, regardez, on met du pâté pour chien. Pour chat, pardon. On va manger. Non, pour chien. Fais gaffe, ça coule, non ? Pour chien, non. Voilà, on va faire ça et on va rajouter un peu d'algérienne. Soit tu manges la cuillère, soit t'es éliminé. Ouais, c'est ça. Voilà. Celui qui est. Celui on fait une finale comme ça, vous êtes voilà, sûr voilà, allez, voilà. Là, une finale comme ça, les gars, c'est eux qui ont validé la finale comme ça. Ok, okay let's go. Ok, DRZ leur a préparé un petit cadeau. On va voir qui aura les colonnes de tout simplement prendre le mot. J'arrive. Bonsoir tout le monde. 5h30, vous êtes ici. Le jeu va prendre fin. Malheureusement, il faut éliminer quelqu'un, les gars. Je te rappelle que la conne était à 500 euros. On a essayé d'augmenter deux fois, elle aurait pu passer à 900 si vous auriez augmenté. J'ai vu ce que c'est. Alors, qui veut le mot ? Du choix, il y a bio. Dans tous les cas, vous allez vous êtes obligé de manger. Mais attends, qui veut le mot ? Sans regarder, vous le mangez. Qui veut le mot ? Voilà. Qui veut le mot ? Qui veut le mot ? Il lève les doigts, je crois.
Tu veux le mot? Cache. Qui veut le mot? Personne. Faire plus ciseaux. Jusque 3 au moins. Ouais, jusque 3. Si tu le manges pas, t'es éliminé. Et vous êtes, vous devez pas regarder. Et c'est eux qui ont choisi le dernier. Voilà, tu dois manger les yeux fermés. Voilà, les yeux fermés. Pierre, les gars, la lumière, fais gaffe. 1-0 pour l'ennemi. Il a gagné la vidéo de la salle et... Ah, il y avait du pâté pour chien encore. Pâté pour chien et sauce. T'as un mot à dire pour les gens qui nous regardent. J'ai gagné la victoire. 500 €, t'as gagné 800 la dernière fois. Ah, ok. Toujours, bien joué à toi. Gagnant. Merci, merci à Filmora d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je remercie Filmora. Et j'ai passé un très bon moment parmi vous. Merci. Ok les gars, du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Je remercie encore Filmora, si vous voulez télécharger Filmora, le lien se trouve dans la description. Bravo aux Mexicains, un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche et surtout abonnez-vous. J'attends que vous activez la cloche et après je vous quitte. Ah, c'est fait. Moi je vais aller plonger dans la piscine.